Côte d'Ivoire est de nouveau au travail. Bonjour et bon réveil à vous. Alors ce matin, je suis très content de vous retrouver une fois de plus à l'antenne. Je vais vous proposer une activité beaucoup plus relaxe pour notre bien-être. Alors on n'est pas dans la recherche de performance, c'est plutôt trouver des moyens pour dénouer au niveau musculaire et assouplir au niveau articulaire. Sur ce, je vous invite à prendre un tapis ou une grande serviette et de ce pas-là, on va se mettre à genoux et vous faites comme moi. Alors, vous mettez bien sur les genoux, j'insiste bien sur l'extension au niveau du coude de pied et là, au niveau de la cheville, en extension, vous vous asseyez complètement et vous relâchez les épaules. Relâchez les épaules et là, on va regarder tous sur une épaule. J'envoie le menton sur l'épaule. Relâchez. Vous allez regarder sur l'autre épaule. Vous revenez. Alors, on va faire la même chose. Cette fois-ci, je vais pencher la tête sur le côté. On revient dans l'axe. Vous penchez la tête de l'autre côté. Alors, sur cet exercice, très important, on étire au niveau des muscles du cou, l'épaule qui retombe et la main, vous tirez vers le bas. On revient. Et là, pour soulager l'extension au niveau de la cheville, vous revenez en position simplement à genoux. En position assise, on exerce une pression sur le talon et on étire davantage sur le muscle fléchisseur, la cheville. Alors, on refait le même mouvement. Cette fois-ci, on va accentuer en pressant sur le menton. Là, en regardant sur mon épaule, avec l'autre main, je vais presser. Hop, je relâche. Je vais regarder sur l'autre épaule et avec la main, je viens presser sur mon menton. Je relâche. Je vais incliner sur le côté et avec la main, je pousse. Je relâche. J'incline de l'autre côté avec la main. Je pousse. Je relâche. Attention, je reviens sur le côté. Cette fois-ci, avec la main, je vais tirer. Je relâche. J'incline sur l'autre côté, l'épaule droite, et avec la main droite, je tire. Je relâche. Et attention, toujours au niveau des muscles fléchisseurs des genoux. Cheville, hop. Je relâche. Je relâche au niveau des épaules. Et cette fois-ci, je vais lever la main gauche, vers le ciel. Alors, je lève la main gauche vers le ciel et la main droite vers l'arrière. Je vais basculer et poser la main sur le talon. Main droite, talon droit. Et là, je tire vers le plafond. Dans un premier temps. Le bassin est complètement en extension. Je relâche. Là, je fléchis le bassin. Et attention, là, je monte le bassin en extension. Et pour la seconde fois, on va accentuer le mouvement. On va basculer vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Vous tirez, vous sortez bien le bassin. Et hop, on fléchit au niveau du bassin. Et là, je baisse la main. Et je laisse tomber les bras. Je fais la même chose de l'autre côté. La main droite vers le ciel. Et la main gauche vers l'arrière. Sur le talon gauche. Et là, je tire le bassin en extension. Je fléchis le bassin.
cette fois-ci, tu remontes un appui sur le talon gauche, main droite, et là, vous allez chercher loin derrière. Je reviens toujours le bassin, fléchi. Et je pose. Et je détends. Au niveau des épaules. Je détends. Cette fois-ci, je vais revenir, cheville arrière, fléchi. Et la jambe de devant, juste posée. Là, à genoux. Complètement posé. J'ai mon bras à l'avant. Et mes gauches. Alors, la main droite, je relâche complètement. Je regarde dans la paume gauche et le genou droit est fléchi vers l'avant. Alors, je vais suivre la main droite du regard et je vais lever la main droite. Lever, lever, lever. Je suis la main droite du regard et je regarde dans la paume droite. Je tire et je relaxe. Je détends. Je détends. Je ramène la main droite vers le bas. Et je baisse la main gauche. Dans le même prolongement, je ne déplace pas la jambe arrière. Je vais poser les fesses sur le talon arrière. Cheville toujours en extension. Alors, ce qui se passe, la jambe à l'avant. Le genou complètement tendu. Et là, avec la main gauche, je vais chercher la pointe de pied. Et alors, là-dessus, il faut avoir le dos bien arrondi. Et si vous êtes suffisamment souple, vous portez le front contre le genou. Ou sinon, essayez de vous rapprocher le plus près possible. Moi, je suis souple. Je le fais. Vous y restez 8 secondes. Je prends appui sur la jambe dernière en restant toujours dans le même mouvement, le bassin, je vais basculer vers l'avant, hop, toujours en appui sur le genou droit. Pour étirer la face interne de la cuisse, avancez. Le bassin vers l'avant, relâchez complètement. Relâchez le bras, complètement. Relâchez. Relâchez. On maintient cette position 8 secondes. Hop. On revient à genoux et vous changez les jambes. Je fléchis l'autre jambe à l'avant. Genou gauche, le bras droit et je regarde dans ma paume. Je tire. Je suis la paume gauche du regard. Depuis le bas, je lève, je suis la paume. Et là. Et je me tire. Vous voyez ? Mes deux bras sont quasiment alignés au niveau des épaules. Vous tirez là-dessus sur les extrémités. Vous maintenez et hop, on suit toujours la main. Tu reviens. Tu reviens. On laisse tomber et on relâche. La jambe fléchie en arrière. On va s'asseoir sur la jambe de derrière. Fléchie. Je vais asseoir sur le talon. Alors, la jambe avant qui s'allonge et se tend complètement. Et le bras opposé, jambe gauche, main droite. Je vais chercher là, la pointe de pied. Et je vais rapprocher la poitrine le plus près possible du genou. Si vous pouvez, vous envoyez complètement le front contre le genou. Et vous y restez pendant 8 secondes. Vous relâchez, je m'appuie sur la jambe de derrière, hop, je reviens, sans toutefois déplacer. Vous engagez le bassin vers l'avant, toujours en appui. Alors, sur ce mouvement, on a une hyper extension dans l'aine, au niveau des muscles internes de la cuisse, et là, sur le muscle arrière, au niveau des ischio-jambiers, vous tirez, relâchez complètement les épaules, et vous revenez. Cette fois-ci, en restant dans le même mouvement, vous allez basculer sur le côté. Toujours genou gauche en avant,
on va se cliquer sur le côté. Alors, je vais bien insister sur l'angle entre les deux cuisses. Le même mouvement, on peut le faire jambes tendues. Aujourd'hui, on le fait genou fléchi. Regardez l'angle entre les deux cuisses, 90 degrés minimum. Et une fois qu'on y est, les deux mains. Hop. Au-delà du genou. Et on va écraser le genou avant avec la poitrine. Dos rond. Si vous pouvez, vous posez entièrement l'avant-bras. Et toujours le front contre le genou. Vous relâchez. Oui, c'est bon. On y est. 6 et 8. Alors, gardez la même posture. Hop. Toujours les genoux en contact avec le sol. La jambe arrière, bras droit, cheville droite. Et le mouvement, on va le complexifier. Bras gauche, cheville gauche. On y reste. Alors, là-dessus, vous relaxez. Vous relâchez au niveau du ventre. Le plus important, c'est de le faire sans aucune contraction. Relâchez-vous. Contrôlez la respiration. Relâchez. Et hop, on lâche. On déverrouille. Le même mouvement de l'autre côté, sur le principe, je change en étant toujours assis. Là. Sur l'autre fesse, j'insiste toujours, genou au sol, et vous respectez l'angle entre les deux cuisses. 90 degrés minimum. Les deux mains au niveau du genou. Et comme au commencement, poitrine, genou, vous écrasez, le dos bien arrondi, vous relâchez. Alors, super important, au niveau lombaire, et surtout au niveau des muscles fessiers, que nous sollicitons à chaque fois à la marche, et aussi à la course. Là, dos rond, complètement relâché. Et hop, 8 secondes, vous remontez. La jambe gauche en arrière, main gauche, cheville. Et la main droite. Alors, sur ce mouvement de torsion, relâché au niveau du ventre. On est fort étirant. Au niveau de la région abdominale, contrôlez la respiration, relâchez le mouvement, posez les deux mains, posez, posez, facile, et on revient. Alors, cette fois-ci, on va détendre complètement les jambes, complètement, et surtout, vous ramenez la pointe de pied vers le haut. Je vais plier une seule jambe, la jambe droite. Et là, vous voyez, au niveau des mains tibias, je vais presser le genou contre la poitrine et corriger la position de la colonne vertébrale. On va aligner les épaules et le bassin en pressant fort la jambe tendue ou ramener la pointe de pied vers le haut. Très important d'avoir cette posture pour corriger nos petites douleurs abdominales et nos petites douleurs lombaires. Et vous changez les jambes, vous pressez contre la poitrine, le dos qui était rond, vous creusez au niveau du dos, vous tendez la jambe à l'extension, pointe le pied vers vous, contractez et vous y restez 8 secondes. Vous relâchez. Alors, on a valié dos creux. Et dos rond à souhait, parce que très souvent, nous n'avons pas la bonne posture ou dans la voiture ou au bureau, et surtout même dans le lit, si on n'a pas un matelas adapté. Donc, on a souvent cette barre au niveau du dos. On essaie de soulager toujours dans ce mouvement, dos rond, en tirant bien. Vous sentez une forte traction au niveau du bas du dos. Soulagez les muscles lombaires. Vous tirez. Et vous relâchez. Alors, la même chose,
Cette fois-ci, je vous invite à vous mettre sur le dos. Alors, les bras en croix, ce sont les mains au niveau des épaules. Pas plus haut, ni plus bas. Épaules. Vous tendez une jambe. Alors, main droite sur le côté, vous allez lever la jambe gauche vers le plafond. Alors, le but du jeu, c'est de ramener le pied dans la paume opposée, tout en douceur, sans vous contracter. Et là, très important, gardez toujours les deux épaules au sol. Et une fois que le pied est dans la paume, vous regardez de l'autre côté et vous vous relâchez. Détendez-vous. Vous contrôlez la respiration. Alors, c'est très important pour revenir. On fait le paresseux. Vous lâchez la jambe et vous la laissez coulisser. Coulissez tout doucement. Jusqu'à ce que vous vous retrouviez complètement sur le dos. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Jambes. Vous voyez, les deux épaules sont tout le temps en contact avec le sol. Et je descends tout doucement. Objectif, la paume. Une fois que le pied est descendu, je relâche et je regarde de l'autre côté. Mouvement simple à exécuter très souvent. Relâchez la jambe. Elle revient tout doucement en rasant le sol jusqu'à ce que je sois complètement sur le dos. Très important. Et là, les deux mains vont. On va progresser vers l'arrière. En extension complète du corps, vous tirez sur les deux extrémités, pointe de pied et les doigts. Tirez sur tout le corps. Tirez, vous rentrez le bas-ventre, vous tirez, vous tirez, vous tirez, et hop, vous relâchez. Vous plaquez le dos contre le sol, vous allez plier une jambe, le même bras, vous pliez, vous détendez. Alors, la même jambe, vous la tendez, hop, et avec l'autre bras, vous ramenez le pied en extension complet, la cheville en porte-manteau, là pour accentuer l'étirement au niveau des mollets et vous rapprochez le genou vers la poitrine, l'autre jambe tendue au sol. Hop, pliez, pressez et vous tendez. Extension. En extension, le bas du dos se creuse. Vous relâchez, hop, vous plaquez le dos contre le sol et vous pliez l'autre jambe. Avec le bras, du même côté, vous pressez, bien tirer. Et avec l'autre bras, la jambe en extension, le pied en porte-manteau, là, fléchissez pour accentuer l'étirement au niveau des mollets. Et vous pressez, 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 vous tirez, tirez fort, 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 et hop, vous relâchez, vous pliez, vous tendez, vous soufflez, le dos complètement à plat, vous allez plier les deux jambes, alors facile, en pliant, on va ramener les genoux vers la poitrine, le dos il s'arrondit, et là, en pressant, en un mouvement de bascule, vous asseyez et vous relâchez. Vous relâchez complètement. Alors, vous voyez qu'on peut aussi faire du sport sans être forcément à la recherche de performance. Nous avons besoin de déverrouiller au niveau articulaire et surtout des petits nœuds qui s'encrassent au niveau des muscles tous les jours parce que nous n'avons pas la bonne attitude. Donc, le stressing reste un exercice très adapté pour notre bien-être. Alors, je vous donne rendez-vous demain matin. Soyez à l'heure. Bonne journée.
Voilà, bonjour à tous, merci de votre fidélité à ce programme. Dans quelques instants, ça sera le journal, mais avant la météo, et juste vous dire que nous allons prendre juste maintenant une page publicitaire et se retrouver dans quelques instants, le temps de mettre tout en ordre. À tout à l'heure.
MTN, everywhere you go. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce point météo. La matinée sera faite de bonnes périodes éclaircies qui alterneront avec quelques passages nuageux dans le nord du pays. Le brouillard réduira la visibilité tôt le matin sur les régions partant de la bande centrale aux régions forestières. Sur le littoral, les nuages seront présents et parfois denses, suivis de quelques précipitations. Température prévue pour la matinée, Abidjan la maximale 25 degrés, Adiaké 24 degrés, il fera 23 degrés dans 6 villes, dont Bondoukou, Bouaké, Daloa, Dimbokro, Gagnoa et Korogo, Mans la minimale 21 degrés, Odiené 23 degrés, 24 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou, et enfin Yamoussoukro, 22 degrés. Dans l'après-midi, les effets de brise côtière entraîneront des orages isolés dans la région forestière, réduisant considérablement la visibilité. À l'ouest et au nord, quelques orages isolés, accompagnés de pluies parfois soutenues, seront possibles en cours d'après-midi. Ailleurs, le temps restera la majeure partie de la soirée nuageux, avec des risques faibles de précipitations. Température prévue pour l'après-midi, Abidjan et Adiaké 31 degrés, 35 degrés dans la ville de Bondoukou et Bouaké, Daloa il fera 34 degrés, dans la région du Nzi la maximale 36 degrés, Gagnoa 33 degrés, 35 degrés dans la région du Poro, la ville de Mans il fera 31 degrés, Odiené 34 degrés, 31 degrés également pour San Pedro, Sassandra et Tabou, et enfin dans la région du Bélier il fera 35 degrés. Merci de nous avoir suivis, au revoir et bonne suite de programme. MTN, everywhere you go.